הייתי בקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר. ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחלנו היום מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן, בן פגה ושמחה. נחמן, נאומן זירותו יגן עלינו בישראל, אמן. ערב טוב. אוי, נפי ג'ור. ברוך השם, ערב טוב. תורה קונקשיון, הפש תורה קונקשיון, בבת השם. ערב טוב עטוז, אני très heureux de se retrouver pour notre שיעור hebdomadaire de l'écouté Moharan. Dans le texte de Rabbeinu HaKadosh, on a, Baruch Hashem, multiplié les shiurim maintenant un peu partout en Israël. Mais celui de Ashdod, du l'écouté Moharan, c'est un texte dans le texte. D'ailleurs, vous avez tous votre l'écouté Moharan. On va essayer de suivre ensemble et de comprendre à travers les lettres de la Torah Kedosha, à travers les lettres de Rabbeinu HaKadosh, combien et on a à apprendre de ces enseignements et combien on doit tenir grâce à ces enseignements jusqu'à la venue du Mashiach. On était dans la Torah 21, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mal de tous les malades d'Israël et les lefav evdalim, qu'ils soient pour la réfoua chez les mal les lefav evdalim nishmat David ben Miriam et Hashem, Yosef ben Hanina, Abraham ben Mafrecha, Esther Batalon, voilà, et toutes les Neshamot Goshot de Am Israël. Yosef, on t'entend, viens ici. Alors viens, on y va. Donc on avait fait le Aleph la dernière fois. Yosef, on t'entend? On entend? Ouais. Alors, c'est la Torah Chouf Aleph, donne, je te trouve la page. Torah Chaf Aleph, excusez-moi, Chaf Aleph. Alors, Chaf Aleph. Ici. Talalalalaï, Mechila. Donc, on avait expliqué juste la dernière fois ce principe-là, que le résultat ne dépend pas de nous. Vous vous rappelez du Shio? Tu te rappelles du Shio? C'est quoi ce principe-là, que le résultat ne dépend pas de nous? Ça veut dire que nous, on a un travail, que ce travail, c'est notre tikkun, c'est notre réparation, et qu'on doit le faire. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est ça qu'on doit faire. À partir du moment où c'est ça qu'on doit faire, alors la question elle est de savoir est-ce que ce que tu vas faire, est-ce que ça va induire un résultat ou pas. La réponse qu'on avait dévoilée, qu'on avait expliquée, c'est que ça induit pas le résultat. Ça veut dire que le résultat, malgré que toi, ça fait dans ta tête une corrélation entre les deux, en vérité, ça induit pas le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Le fait que ça n'induit pas le résultat, ça vient sur la deuxième partie quand Rabbeinu dit que il y a des sérels, il y a des intelligences que l'homme ne reçoit gratuitement. Exactement. D'accord, mais il y a donc une première partie aussi où il dit qu'il y a aussi une autre intelligence qui voilà. A besoin de beaucoup de travail. Oui. Donc là, ton travail induit le résultat ou bien pas là non plus? Et là aussi. Alors voilà, très bien, c'est très bon. Ça se voit qu'on avait étudié la dernière fois. Alors il dit qu'il y a deux types de sérels. Il y a un sérel chinam, il avait appelé ça comme un sérel gratuit, qu'on te donne et qu'en vérité tu dois recevoir de toute façon. Il y a un sérel que tu reçois par le travail. Mais le résultat, il est que le travail, tu devais le faire de toute façon. Donc, en vérité, prenons pas au niveau d'un individu individuellement, mais on va prendre deux individus. On avait expliqué que lui, il a reçu la même chose, mais gratuitement, l'autre, il a reçu avec le travail. Pourquoi? Parce que je suis décidé comme ça. Lui, son tikkun, c'est de travailler pour avoir ça. Il est pas né avec la même intelligence, ou il doit galérer. Même dans la parnassa, même dans tout, c'est comme ça. Et lui, les clients, ils arrivent chez lui, et l'autre, il doit galérer. Oui? Pourquoi? Ça, c'est chacun son... Mais la parnassa, peut être la même à la fin de la journée. Mais il y en a un qui a été plus difficile. Ça, c'est entre deux individus différents. Sur un même individu aussi, d'un jour à l'autre, ça peut être différent. Ça veut dire, sur une chose, Hachem, il lui facilite la chose. Sur une autre chose, il lui rend plus difficile. Mais même quand il lui rend plus difficile, c'est pour qu'il fasse le travail. C'est pas pour ne pas lui donner le résultat. Je sais pas si tu te rappelles qu'on avait fait la nuance. Ça veut dire que, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on travaille. C'est qu'on fasse le travail, qu'on fasse le tikkun, qu'on fasse la réparation de la chose qu'il y a à faire. À partir du moment où nous, on est prêt à faire la réparation, après ça, de toute façon, il avait prévu de nous donner le résultat. Même sans ça. Non, de nous donner, même sans ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a travaillé pour avoir de l'argent, en vérité, l'argent, il lui revient de toute façon. C'est juste que Hachem, il a associé cet argent-là au travail parce qu'il veut forcer l'individu à travailler. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, en réalité, l'argent, il lui revient. Par exemple, Rabbeinu, il dit dans un autre côté moral que quelqu'un qui... Tu peux fermer la truc, s'il te plaît. Ouais. Il dit que quelqu'un qui vole, ouais, quelqu'un qui vole, allez nous, en vérité, il vole de l'argent qui lui appartient. Il peut pas voler quelque chose qui ne lui appartient pas.
C'est-à-dire, si Hachem, il l'a laissé voler, c'est qu'en fait, ça lui appartenait l'argent. Le seul problème, il dit Rabbeinu HaKadosh, c'est que maintenant qu'il a volé, ça lui appartient plus. Il vient de le perdre et en double. Il vient de perdre le double de ce qu'il avait à lui. Donc lui, il lui revenait 2000 shekels. Le gars, il a volé les 2000 shekels. Comme il donne l'exemple de cet enfant, que le père, il avait décidé la veille de lui donner l'argent. Et maintenant, il en avait marre d'attendre l'enfant, il est parti dans la poche du père la nuit, il les a récupérés. Donc le père, il s'est voit le matin, il voit qu'il lui manque l'argent, il sait que c'est son fils, il s'énerve contre lui, il lui reprend l'argent. Et en plus, il lui dit, maintenant, il va falloir que tu payes pour ce que tu m'as volé. Alors qu'il avait prévu la veille de lui donner. Donc ça, mais il faut beaucoup d'émouna, ça c'est quand même tout. On a dit, la base de tout, c'est la émouna. Celui qui n'a pas d'émouna dans ce monde, peut monter, peut descendre, il n'arrivera pas. Oui. Comment on fait pour en avoir plus? De émouna? Non. Ah, d'argent? Non, parce que... De quoi? Après, on se dit que c'est ce qui va nous recevoir. Mais comment on fait pour en recevoir plus d'après que tu vois? De quoi? Ah, ah, de l'argent lui-même. Et donc, à l'inverse, comment on enlève de l'argent? Alors voilà, alors on avait expliqué, et c'est ce que je pense qu'on avait expliqué la dernière fois et qui est très important à comprendre. C'est simplement, encore une fois, c'est simplement que je ne dois pas rechercher l'argent. Mais maître, je vous dis ça humblement et tout le monde, on est dans le même bateau. Mais ce n'est pas mon but. Moi, je ne dois pas rechercher le résultat. Je dois m'assurer que je fais bien la chose. Alors bien sûr, tous on a, bah, tu fais des cuisines, toi, tu as un prix, ça coûte quelque chose. Alors très bien, une fois que le prix, tu as mis un devis, le client t'a dit ok, c'est bon, voilà, c'est correct. Maintenant, c'est fini. Cette partie-là, elle est terminée. Maintenant, ton travail à toi, c'est de faire le meilleur résultat que tu peux faire dans tes capacités et dans ce que Dieu a décidé pour lui. Si le truc, il a décidé que ça se casse, bah, ça, c'est pas toi. Mais tu fais le maximum que tu peux pour arriver, pour donner le meilleur résultat que tu peux dans tes mains. Et ça, c'est notre travail à nous. Maintenant, la partie résultat de, comme tu as dit, je veux plus d'argent, etc. Bien sûr que le gars, tu peux pas faire plus. À Rosh Hashanah, c'est décidé. Par contre, tu peux perdre. Comment c'est qu'on peut pas plus? Parce qu'on est tellement exigeant envers nous-mêmes. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, on fait quelque chose, on est tellement à cœur dans ce qu'on fait, qu'on se dit non, je peux faire encore plus. Oui. C'est bien. Tant mieux, tant que tu arrives à faire plus. C'est pas le problème. Le Inyan, il n'est pas d'être exigeant envers soi-même et de dire j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu faire plus. Tant que ça amène pas ta tristesse, bien sûr, si ça amène à l'angoisse et à la tristesse, ben là t'es dans le mode, t'es du SRA. Parce que à la fin de la journée, si tu es dans l'angoisse, tu dois te dire, tu dois fermer tout, et tu dois dire, de toute façon, voilà, regarde, j'ai fait le maximum que j'ai pu jusqu'à maintenant, peut-être demain je pourrais faire plus, aujourd'hui j'ai pas pu faire plus. La preuve, c'est que c'est arrivé comme ça. Donc ça y est, j'ai pas besoin de tirer une balle, c'est ce qui est arrivé, j'aurais pu faire plus, j'ai pas pu faire plus, j'apprends pour demain. Mais celui qui commence à la tristesse, il c'est sûr du SRA. Dès qu'il sache, il est déjà dans les SRA, le truc. Dès que tu rentres, Rabbeinu, il te dit, c'est un baromètre. Simcha, Yetzera Tov. Azvut, Yetzera Ra. Simcha, Yetzera Tov. Azvut, Yetzera Ra. Tout de suite, tu le vois, dans le couple, dans l'éducation des enfants, dans tout. Dès que tu passes la barrière de genre l'énervement, le stress, l'angoisse, ça y est, c'est que le Yetzera Ra est rentré dans l'histoire. Donc il n'y a pas à se prendre la tête. Prendre la tête, il ne faut pas se prendre la tête. Par contre, il faut s'assurer de mettre tous les efforts du monde dans le moyen et pas dans le résultat. C'est ce que Rabbeinu nous a dit, que puisque le résultat il est décidé. Alors on a parlé de la parnassa, parce que Yosef ça l'intéresse. Alors, on n'a pas dit quel Yosef. Alors on a parlé de la parnassa, oui. C'est intéressant, bon, tu commences ta vie, tu as raison, c'est normal de penser comme ça. Mais en réalité, la parnassa, si on suit les sages, elle est décidée à Rosh Hashanah. Donc qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Rosh Hashanah, on t'a dit tu vas gagner 3 millions de dollars cette année, Mesrat Hashem. Amen. Tout le monde, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui écoutent, 3 millions chacun, vous redistribuez à la fin. Entre vous, vous faites des affaires si vous voulez. Ouais, 3 millions de dollars vous allez gagner cette année. Très bien. Pourquoi? Celui-là, il donne 3, lui, il donne 3 à l'autre. Non, c'est fini, c'est bien, non? Pourquoi pas? Chacun, il fait travailler l'autre. Alors, en tout cas, le gars, il doit travailler 3 millions. Maintenant, c'est décidé. Comment tu vas les avoir? C'est pas encore totalement décidé. Et est-ce que tu vas les perdre? C'est non pas, pas décidé non plus. Parce qu'à chaque fois, dit le Zohar à Kadosh, et Rabbeinu aussi, il a une Torah sur ça, à chaque fois qu'un homme, par exemple, il s'énerve, il perd de l'argent. T'as bien fait de venir, toi. À chaque fois que tu lèves le ton, tu perds de l'argent. Sache-le. S'il y a un truc qui peut t'arrêter de te faire énerver, c'est bien ça. À chaque fois que tu t'énerves, tu perds de l'argent. Encore plus si c'est avec ta femme. Parce que c'est elle la source de ton argent. Que ce soit dans tous les niveaux. Tous les niveaux, chaque fois Rabbeinu il dit, chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est la même. Alors Rabbeinu il dit que c'est le même Shoresh Sainte Torah qu'on a pas fait ensemble, mais on a fait une fois. Hein? Non, pas intérieurement. Non, intérieurement, ça touche pas encore. Dès que tu extériorises ton énervement, dès que tu cries, pire encore, tu bouges des éléments,
tu jettes des trucs. Dès que tu fais ça, tu perds de l'argent. C'est sine qua non. Rabbeinu, il dit pourquoi? Il dit parce que c'est bon ça. Pourquoi? Alors il dit parce qu'il y a le shoresh de l'argent et de la colère, c'est le même dans le ciel. C'est la même chambre dans le ciel. Donc le Yetzer Hara, hein, il sait que dans le ciel, on a décidé que tu reçois 3 millions. Maintenant, il veut pas que tu reçoives 3 millions parce que toi, tu vas faire des mitzvot avec. 3 millions, tu vas faire la tzedaka, tu vas faire un bon shabbat, tu vas te offrir des cadeaux à ta femme pour les fêtes. Donc tu vas faire des mitzvot. Donc il veut pas. Il veut pas que tu récupères l'argent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, tant que c'est pas descendu en tant qu'argent, je peux encore le toucher. Comment je fais? Je mets un Yetzer Hara de colère sur l'individu. Le gars, il se met en colère. L'argent, la lumière de l'argent, elle se transforme en colère. Et elle s'en va. Avec la colère. Il perd de l'argent. Peut-être le gars, il devait gagner 5 millions, maintenant il n'a que 3. Il est encore riche. Mais il devait gagner plus. Tout celui qui s'énerve, il perd de l'argent. Oubliez, c'est comme ça que ça marche. Ça va l'écouter mon râle, mes fourrages. Rabbeinu, il explique. C'est pour ça que. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit à Rosh Hashanah? Il faut jamais s'énerver, il faut avoir le sourire. Il faut pas. Il faut pas s'énerver, Rosh Hashanah. Shabbat, pourquoi Erev Shabbat, c'est la source de la bracha. Pourquoi Erev Shabbat, c'est le feu à la maison. Vendredi après-midi, c'est le feu à la maison. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est le Mekor HaBracha de la semaine. C'est le Mekor HaBracha. Donc si tu t'énerves Shabbat, tu transportes le dernier moment dans Shabbat. Les enfants, ils sont pas bien. La femme et le mari, ils sont pas bien. Il a gagné sa semaine. Il a plus besoin de t'énerver pendant la semaine. Il a gagné son truc, le gars. Motsei Shabbat, après ça encore il faut travailler, il faut galérer, il faut tout ça. Tu vas de... Alors quoi tu... Alors que le gars. Mais c'est un. Vous vous imaginez, le Yetzer Hara, c'est. Le Rabbeinu, il appelle ça un Melech. C'est un roi qui est vieux et qui exile. Il est stupide. Mais il est vieux. Il sait comment tu joues. Lui, il est de tout. Le Yetzer Hara, c'est le même depuis des générations. Il sait comment on marche. Et nous, on retombe. Tous les vendredis, et tu retombes. Et toi, et tu vois. Et pourtant, tu comprends pas. Tu te dis, attends. Mais tous les vendredis, les enfants, lui, il s'énerve. Après l'autre, on dirait que les pleurs, ils se passent. Tu vois, ça saute d'un enfant à l'autre. T'as jamais remarqué ça les vendredis? Tu te dis, mais c'est pas possible. Et lui, il t'écoute pas. Et l'autre, machin, il saute sur le lit. Mais je comprends pas. Vous avez entendu juste ce moment-là. En plus, on est à Israël, c'est le jour où ils travaillent pas. Enfin, ils sortent tôt de l'école. Mon Hachem, on a la plage. On les amène à la plage Haredi. Mon Hachem, l'après-midi, au moins, ça les occupe. Mais même quand tu rentres, les bains, les trucs, les machins, il y a toujours une histoire. Il y a toujours quelque chose. C'est pour ça que Chazal, ils ont dit que même pour la femme, c'est bien de préparer Shabbat jeudi. En vérité, non. Deux choses. Il y a des choses principales que vendredi, par exemple. Des choses qu'elle va faire pour Shabbat, le pain. Des choses comme ça, c'est bien le vendredi juste avant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça montre que c'est pour Shabbat. Mais tout ce qui est le ménage, la lessive, tout ça, qu'elle attend pas le vendredi. Parce que c'est de la préparation de Shabbat, oui. C'est-à-dire la manger, le pain, tout ça, tu peux faire. Mais toute la préparation de la maison, on n'attend pas vendredi, je vais devenir folle. Mais ça fait trop de choses. Ça fait trop de choses, ça stresse, ça angoisse, tu finis plus. Bon, maintenant elle travaille toute la semaine, elle a que Shabbat, tu peux faire autrement. Mais il faut comprendre, une femme, elle veut que son mari réussisse dans la parnassa, mais qu'elle l'énerve pas. Alors je vais dire, ah, mais il a qu'à pas s'énerver. Ben c'est un, vous êtes un couple, ça, c'est les deux ensemble. Lui, il a qu'à pas s'énerver, toi, t'as qu'à pas le chauffer, tout ira bien. Et inversement. Mais c'est une source. Rabbeinu, il dit, c'est mes fourrages, il faudrait le voir dans les mots, mais il dit, c'est le même choré, le même conduit. Le Yetzer Hara, il sait que si t'énerves, il gagne sur ta parnasse. Hein. Et donc, il t'empêche de faire des mitzvot. Il t'énerve encore plus. Et toi, tu es énervé d'avoir été énervé. Et après, t'es triste d'avoir été énervé. Et après, ça, c'est un truc sans fin. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme Rabbi Meir Balanes, t'invites les invités. Ça fera bon sourire, sans laisser de traces. Des invités Shabbat. C'est une métaphore pour quand tu as une situation dans laquelle tu pourrais te mettre en colère, mais tu ne le fais pas. Et au contraire, tu es encore plus sa mère. Tu reçois l'échec, tu reçois mon grand. Quand tu fais ça, Rabbeinu, il dit que quand un homme il arrive à contrôler sa colère et qu'au lieu d'être coléreux, il est rahman, il va recevoir encore plus. Il double ce qu'il reçoit. Ça veut dire par exemple, ton fils il t'énerve. Maintenant, tu as envie de le. Bon, tu le claques pas, mais tu vas le crier, tu vas t'énerver contre lui. Non, tu sais ce que tu fais, tu fais comme ça. Et tu le prends dans les bras. Tiens, va dire, je vais pas l'éduquer. Après, quand ce sera calmé et tout ça. Ouais, pas tu le prends. Il ferait pas triste de judo, mais juste tu le prends dans les bras, ouais. Ça veut dire pas. On va dire tranquille, quoi. On n'est pas dans. On parle d'un aïnian simple que. Tu es censé t'énerver. Il mérite l'énervement, mais ça, c'est nous, on peut pas. Hein. C'est très difficile, vraiment. C'est surhumain presque. Mais le truc, c'est une éducation. Alors, je t'explique comment tu éduques.
Ça, c'est là l'idéal, hein. C'est quoi Rabbeinu, il dit. Un jour même, Rabbi, j'ai rapporté ça jeudi dernier, je pense. Rabbi Nathan, bon, je raconterai ça à Rabbi Nathan après, rappelez-moi. Donc, en tout cas, le principe, il est qu'au lieu de le punir, tu l'enlaces. Donc, lui, il comprend pas d'abord, premièrement. Il dit, attends, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je dois être puni. Et là, mon père, il m'enlace. Donc, il se sent mal. Le fils, quand tu le punis, intérieurement, il est content. Ouais, il y a une logique. Et surtout, il dit, bon, bah, ça y est, j'ai pris ma punition. Bah, c'est fini. Il s'en fiche de ce qu'il a fait, en vérité. Parce qu'il juste qu'il dit, oh, c'est bon, c'est terminé. Alors que non, toi, tu le punis pas tout de suite. Par contre, il y a une punition. Mais la punition, elle est après. Quand tout sera calmé, etc., il y aura une punition. Et tu tiens sur la punition. Parce que notre problème à nous, c'est qu'on dit les choses énervées. Après ça, on dit, bon, bah, c'est pas grave. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. C'est pas grave maintenant. Et après, tu gères. Ça, c'est un vrai parent. C'est quelqu'un qui dit, ok, regarde, à la fin de Shabbat, quand c'est fini, tu sais, vendredi, il s'est passé ça, 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 ça. Cette semaine, il y aura ça, ça, ça comme conséquence. Et tu vas voir que ça, ça va marcher. Ça, ton enfant, il va changer. Mais si tu le claques tout de suite, ou tu l'énerves tout de suite, ou tu te cries tout de suite, ça marchera pas. Ça marchera pas. Maman, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, il est pas dans ce qu'il a fait. Il est dans, bon, j'ai pris ma conséquence, c'est pas grave, je prendrai une autre conséquence la prochaine fois. Et quand tu es comme ça, ça va de pire en pire en vérité. Parce que l'enfant, il grandit, il est de plus en plus chutzpan, entre guillemets, ou il est de plus en plus tolérant à la punition. Donc finalement, jusqu'où tu vas aller? Jusqu'où tu vas crier? Jusqu'où tu vas t'énerver? Tu peux pas! Il y a des gens, moi j'avais un ami à Shabbat, il me racontait son père, il prenait la savate. Mais maintenant il parle plus à son père. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a servi? Et maintenant son père il pleure. À quoi ça... Et les trois enfants, les trois garçons, ils ne parlent plus à leur père. À quoi ça sert? Bon, son père il a pas fait mal, peut-être il voulait juste les éduquer. À la fin de la journée, à quoi ça sert? Rien du tout. Ça marche pas. Donc, ça veut pas dire qu'il faut être laxiste, encore une fois. Il y a une question, hein, j'ai pas vu. Merci là. C'est quoi la question? Il y a des personnes qui se mettent en colère facilement et qui sont blindées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils devraient être encore plus blindés. Deux solutions. Soit qu'ils devraient être plus blindés, soit que l'argent qu'ils prennent maintenant, c'est pas leur argent, eux. Et qu'ils prennent à d'autres personnes, c'est du vol, mais ils vont payer à la fin de la journée. Deux solutions. Soit vraiment, ils devraient être encore plus blindés que ce qu'ils sont blindés. Soit, simplement, que c'est pas pour eux, ils vont, à la fin de la journée, tout l'argent volé, c'est pas dans ce monde, c'est dans l'autre, c'est pas dans l'autre, c'est dans une autre vie. Mais tu finis jamais bien. Et... Oui? Est-ce que c'est possible qu'il y a aussi le cas inverse, donc celui qui a la joie? Le quoi? Est-ce que c'est possible qu'il y a aussi un inversement, c'est celui qui est joyeux, il reçoit plus de parnassa? Non. La parnassa est décrétée à Rosh Hashanah. Désolé pour vous. Mais peut-être tu peux être gorem sur le Rosh Hashanah de l'année prochaine. Hachem, il voit que tu t'es bien comporté pendant cette année, il va te multiplier l'année prochaine. C'est parce que comment tous les Rosh Hashanah, on dit la même chose. Sur quoi on juge? On juge sur ce qui s'est passé l'année dernière, sur ce qui se passe à Rosh Hashanah et sur la prévision que tu as pour l'année prochaine. Donc, si tu as fait une bonne année, que tu as été joyeux, que tu as été bien, ça va avoir une influence sur l'année prochaine, mais pas cette année. Cette année, c'est Rosh Hashanah, c'est décidé. Donc, le seul truc, c'est qu'on peut empêcher de perdre. Exactement, on va même pas dire le nom, mais hein? Du coup, on a le seul truc qu'on peut faire, c'est juste empêcher de perdre l'argent. Ouais, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Si on reçoit exactement tout la somme qu'on a été riche, on devrait être pas mal riches tous. Ouais. Au lieu de perdre, on pourrait gagner deux fois plus. On pourrait gagner ce que tu mérites, quoi. Pour éviter de perdre. Non, parce que j'ai une chose qui me revient. Ouais. Si j'avais un... Non, pas au niveau de la parnassa. Tu vas pas gagner plus d'argent, mais tu vas gagner plus de bracha. Donc en fait, en gros, tout simplement, c'est... La parnassa, c'est la parnassa. Il veut t'enlever, tout simplement. Ouais, il veut t'enlever. Il veut t'enlever l'occasion de faire des mitzvot. C'est du juste dur à s'imaginer. Ce qui nous revient déjà, c'est énorme. C'est juste qu'on... Ah, c'est énorme. Mais c'est énorme. Ce que Hachem, il a prévu pour nous, en c'est énorme. Mais nous, on reçoit que les prurim, ce qui reste, quoi. C'est les miettes, en vérité. Parce qu'on est tellement gorem sur notre mazal. Celui, par exemple, c'est pas seulement la colère, celui qui regarde des choses interdites. Ça lui tue le mazal. C'est même pas seulement la parnassa, ça lui tue le mazal mamache. C'est-à-dire, il n'y a rien qui lui marche dans sa vie, lui. Le pauvre, il se fait prendre. C'est loin de nous, quoi. C'est celui qui regarde des choses interdites, c'est une catastrophe pour lui. Les yeux, c'est une catastrophe. Encore plus des ralevatala, encore plus tout ça. Ça, c'est gorem tout le mazal. Et encore, le gars, il continue à manger. T'imagines s'il n'avait pas fait tout ça? Et bon, bah au Hachem, alors encore une fois, on ne veut pas voir que le négatif, il y a aussi du positif, tu fais une mitzvah, tu fais la tzedaka, celui qui maaser, celui qui se lève à net, c'est Christ, celui qui se lève à net, il ne perd pas d'argent la journée. Celui qui se lève à net, dans la journée, il ne perd pas d'argent. Un jour dans la Gemara, c'est écrit qu'il y avait un gars qui s'est... Pas un gars, excusez-moi, un Tana qui s'est levé à net, et le jour même, on lui a mis une contravention. Alors il a dit, il est parti voir les sages, il leur a dit, mais c'est écrit qu'on ne doit pas perdre d'argent. Il a dit, comment on taille la contravention? Alors il a dit, ben j'avais un roi,
Il est passé dans la ville. Et moi, je suis sorti. Et ils ont commencé à ramasser des impôts. Alors, il lui a dit, mais tu as vu le roi? Il lui a dit, oui. Il dit, ah, mais tu n'as pas payé de contravention. C'est une mitzvah de voir un roi. Tu as juste payé pour la mitzvah. C'est pas une contravention. Tu as fait une bracha sur un roi, mais un roi goy. C'est une mitzvah de voir un roi goy. Alors, il dit, j'ai payé pour la mitzvah. C'est pas une contravention, ça. Donc, il faut voir. Mais le gars qui se lève à Nes, alors voilà, tu y a plein de choses que tu peux protéger ton argent. Le gars qui fait attention à ses yeux, le gars qui s'énerve pas, il protège sa bracha. C'est peut-être pas en quantité, c'est pas en argent. Alors je voudrais lire l'histoire de Rabbi Nathan, un jour il avait l'habitude vendredi soir, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter, une histoire vendredi soir, il avait l'habitude d'inviter les pauvres, les plus pauvres de la synagogue, il les invitait. Maintenant il est arrivé un vendredi soir où le monsieur qui l'a invité, il était tellement pauvre qu'il avait, s'est pas lavé depuis très longtemps, il sentait pas bon, etc. Jusqu'à que, quand il l'a amené chez lui, un de ses fils, Rabbi Nathan, il voulait pas s'asseoir à table. Il a dit, moi je m'assois pas à table. Et Rabbi Nathan s'est énervé. Il lui a mis une claque. Rak, il a mis une claque. Il a dit, comment, hein? Pac. Moi je sais pas comment il lui a dit, mais en tout cas il a mis une claque. Mais il a regretté tout de suite, mais il s'est calmé, tout ça, et il l'a laissé dans sa chambre, et il est parti faire, etc. Après ça, il est venu au Rabbeinu, comme il racontait tout ce qui lui arrivait, il lui a raconté cette histoire-là. Il lui a raconté que, oh, Shilo, bon rabbin. Alors il a raconté cette histoire-là, c'était arrivé ça et ça et ça. Il lui a dit, Rabbeinu, il lui a dit, mais est-ce qu'on frappe ses enfants? En rigolant comme ça, pas, il a pas dit, ouais, qu'est-ce que ça fait? Il a dit, est-ce qu'on frappe ses enfants? D'ailleurs, c'est pas une éducation, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en plus, il lui a dit que c'est son fils qui avait raison. Que lui, son vrai tikkun à lui, c'était de recevoir des gens avec qui il pouvait étudier la Torah. Donc en plus, il lui a dit que son fils avait raison. Mais on va dire, et Dafka, la plupart du temps, quand je t'énerve, c'est toi qui as tort. Pourquoi? Parce que Hachem est en train de te présenter une situation qui te correspond pas. Donc toi, tu t'énerves. Mais dans la situation qui te correspond pas, il y a de la vérité. Sinon, il te la présenterait pas. Mais ça te. Attends. Les enfants, ils écrivent sur les murs, mais là, je comprends pas. Mais ça ne doit pas t'énerver. Tu peux les éduquer sans t'énerver. Si ça t'énerve, c'est quelque chose qui va pas. Tu sais que j'ai des enfants et on sait comment ils sont tous. Il y a pas tous, ils deviennent des anges plus tard. Mais quand ils sont petits, ils t'écrivent. Ok. Il y en a, ils prennent les marteaux et tapent sur les trucs. Tu sais même pas ce qui t'arrive. Et ils te rigolent, ils sont tranquilles, ouais. Mais encore une fois, il y a le fait d'éduquer ton enfant, que c'est pas des choses à faire, qu'il y a une punition, il y a une conséquence à ça. Il y a le fait que ça te touche personnellement. Si ça te touche personnellement, c'est que la matérialité du mur, ça te touche. Pourquoi quand il, je sais pas, il y en a par exemple quand il, des fois ça arrive que bon, l'enfant il fait telle ou telle chose qui est aussi grave, mais il s'énerve pas. Et puis quand ça touche le salon, quand ça touche la table, quand ça touche les murs, là c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que l'individu, il est peut-être plus attiré par OK, il faut pas faire la matérialité que l'enfant qui va même pas à la synagogue, par exemple, ou qui ne prie pas correctement. Donc il y a quelque chose dans l'individu. Moi, je te parle pas de toi, moi même tout le monde, on est dans les mêmes bateaux. Mais Hachem est en train de te dire quelque chose. Il dit pourquoi ça t'énerve? Si dès qu'il y a quelque chose qui t'énerve, tu dois te demander oh pourquoi ça m'énerve? Pourquoi je suis énervé? Je devrais pas être énervé. A priori, pas a priori, même a posteriori, c'est-à-dire Bediavad ou Lechatrila, il n'y a aucun cas dans la Torah où on te dit que tu as le droit d'être énervé. Si ce n'est pour le Kavod d'Hachem, on est loin de ça, non. Très 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 loin de ça. Ouais, donc on rentre même pas dans cette catégorie-là. Donc à part pour le Kavod d'Hachem, il n'y a aucun cas où tu devrais être énervé. Même Moshe Rabbeinu, qu'il les a sortis d'Égypte, qu'il leur a fait tous les cadeaux du ciel, qu'il leur a amené la manne, qu'il leur a fait tout ce que tu veux, lorsqu'ils se sont énervés contre lui parce qu'il n'arrivait pas à sortir assez rapidement de l'eau, c'est eux qui lui disaient, mais ils leur criaient dessus. T'imagines, toi, t'as 3-4 enfants qui te crient dans la maison, t'as envie de tirer une balle. T'imagines 600 000 hommes, les femmes et les enfants, mais c'est quoi ça? Et pourquoi tu nous as amené là et qu'on devrait retourner? Et lui, juste parce que, il s'est même pas énervé contre eux. Il a juste tapé il en avait marre. Il a tapé au lieu de parler au rocher. Il est pas rentré dans Israël. C'est un millième d'un millième de colère, là. On te parle même pas de, d'avoir crié sur les gens, de leur avoir jeté des pierres. Et il avait de quoi, en plus. C'est pour te dire, Hachem, y a pas. Y en a pas. Même Hachem lui-même, c'est écrit le Zohar, il dit, Rega Echad. D'ailleurs, Balaam, il connaissait cette seconde-là. Que cette seconde-là, Hachem, il a un peu de din dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il en faut de la rigueur.
Mais ça s'appelle. Alors maintenant, chaque fois, nous à notre niveau, à chaque fois qu'on est énervé, celui qui veut vivre une belle vie. Parce que le Yetzera, qu'est-ce qu'il te dit? C'est la belle vie, c'est l'argent, c'est courir après, la maison, le truc. Mais c'est pas ça une belle vie. Une belle vie, c'est quand tu es en shalom avec ta femme, que tes enfants ils te respectent, qu'ils sont souriants, qu'ils ont à manger sur la table, même si c'est pas grand-chose. Mais ils apprécient ce qu'ils ont sur la table. Qui sont pas tout le temps à te demander encore de quoi, ils ont même pas fini. Le petit, c'est la nature de l'homme. Tu vois chez les enfants, le petit, il vient de récupérer l'assiette, il dit, je peux avoir encore, mais tu as même pas encore commencé ton assiette. C'est la nature de l'homme d'être comme ça. Mais si tu leur apprends à être satisfait de ce qu'ils ont, si toi-même tu es satisfait de ce que tu as, après, tant mieux qu'il y a plus. C'est pas, on n'a pas dit qu'on veut pas, on veut pas arrêter le chefa. Tant mieux qu'il y a plus. Mais quelqu'un qui a une famille, que Bémet, ils sont comme ça, alors il a tout gagné. C'est ça le vrai bonheur, c'est ça la vraie réalité. Après ça, le reste c'est vrai, tu as raison que tout le monde a des problèmes de parler de trucs de machin et que ça occupe. Mais il n'y a pas de raison d'être énervé. Aucune raison. Jamais. Malheureusement, on est tous un peu. On a ça en nous. Certains plus, certains moins. Certains, ils ont déjà fait le tikkun dans d'autres vies. Sinon, ils sont revenus, ils refasent. Mais à chaque fois qu'il y a un énervement, sache premièrement, tu es en train de perdre ta parnassa. C'est chaval. Combien chaval? Combien on doit. Une vraie parnassa, sincère, honnête, combien il faut travailler pour l'avoir? Surtout en Eretz Israël. Chaval, comme ça, ça part. Chaval même, et ça prend une bonne femme pour comprendre une chose pareille. Ça prend une bonne femme, parce que la plupart, ou un bon bail, une bonne femme ou un bon mari. Ça veut dire une bonne femme, parce que le mari ou la femme, quand il voit quelqu'un énervé, soit il le juge, il dit, ah, ben, ça va, pourquoi tu t'énerves, soit il énerve encore plus. Non, c'est vrai, le Zohar, il dit, sachez-le, hein, c'est un enseignement, il faut le comprendre. Le Zohar, il dit, quelqu'un qui est énervé, sa neshama, elle part. Donc il y a une autre neshama qui vient. Hein? C'est comme s'il est Obed Avodazara. Et cette Neshama de Touma, il faut même pas la regarder a priori. Même la regarder. Le problème, c'est que si c'est ta femme ou ton mari, tu vas pas la regarder, elle va le prendre mal, elle va être encore plus énervée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand, au moment de l'énervement, il faut aller dans le sens de la personne, même si elle a complètement tort. Ça, c'est le secret d'Aaron Cohen. Dès qu'une personne est énervée, tu vas dans son sens. Dans son sens. Elle a complètement tort, elle est complètement à l'ouest. Tu lui dis pas non, mais tu comprends, t'aurais pu penser différemment. Non, t'as raison, c'est vrai, comment c'est possible, c'est vrai, t'as raison. Tu la rends dans son sens. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Je vous dis, parce que sinon, la personne, elle s'énerve avec une autre personne maintenant, ok? Toi, t'as voulu faire le shalom. Eux, ils se sont réconciliés, toi, t'es dans la mouise à la fin de l'histoire. Parce que tu as dit maintenant, t'aurais pu le penser que lui, il a raison. Non, c'est lui qui a raison. Finalement, toi, c'est toi que les deux, ils veulent plus parler. Alors que quoi? Quand les gens, ils sont énervés, tu rentres dans leur sens. Après ça, lui-même, il va réaliser, ouais, mais t'as raison, mais peut-être que j'ai pas bien fait. Et après, tu lui dis, c'est vrai, peut-être, t'as raison, que dans une marque loquette, il y a toujours deux personnes qui ont tort, en vérité. Ouais? C'est écrit depuis Moshe Rabbeinu avec Korar, il n'y a pas eu deux, il n'y a pas eu un qui avait complètement raison et un qui avait complètement tort. Dans toutes les marques loquettes du monde. Il n'y en avait pas. Et c'est le chef, j'ai pas compris. Et c'est le chef qui fait tout pour vous énerver. Qui abuse de votre gentillesse. Bon, spécifiez la question, j'ai pas compris. Hein, oui? Comment on fait pour trouver la juste cause dans une dispute? Une fois que tout est calme. Exactement. Donc vous deux, vous avez tort, donc vous deux, vous admettez vos torts. Donc si moi j'admets que j'ai tort et que lui il a tort et que lui n'admet pas que. Non, c'est obligé. Alors regarde. Premièrement, tu rentres dans le sens de la personne. D'accord? Tu as raison, c'est vrai, etc. Une fois que c'est calme, vous allez voir vous-même. Moi, oh, j'aurais pu faire ça autrement. Ah, moi j'aurais pu faire ça autrement. Et ça revient, c'est fini. C'est tout, tu attends que ça se calme et tu parles sincèrement. Les gens, ils parlent avec gava. Moi, j'ai fait, moi, j'aurais dû, moi, j'aurais truc. C'est que de la gava à la fin de la journée. La colère, c'est que de la gava. C'est une expression de la gava. Hein? C'est le chourage de la gava. Ouais. Le chourage de la colère, c'est la gava. C'est que de la gava. Mais c'est normal. On a été créé comme ça. C'est pas qu'on. On n'est pas en train de se taper sur les épaules. On a été créé comme ça. On travaille ce qu'on peut. Mais à la fin de la journée, c'est une réalité. Qu'un homme. S'il veut être heureux dans ce monde, c'est ce qu'on dit d'Eretz Israël, c'est le secret de la Savlanout. Calme-toi, doucement. C'est vrai, tu vois, n'importe où tu vas, c'est-à-dire, même pas ici, partout, tu vois, c'est pas, en tout cas, tout ça pour dire, je sais pas pourquoi on est arrivé comme ça, on c'est pas dans ce l'écoute de morale, mais on en est arrivé là. Argent, colère, perte d'argent. Ah, quand le chef de votre Parnassa vous pousse à bout, comment agir? Ça veut dire quoi, votre patron? Quand votre patron il vous pousse à bout, ben, deux solutions. Soit vous avez assez de. La Gemara elle dit qu'il faut aimer son métier. Donc soit vous avez assez de Emouna pour vous dire que je peux avoir la même parnassa autre part.
parce que c'est Hachem qui donne la parnassa et qu'elle est déjà décidée, donc lui ou un autre, c'est fini. Essayer de comprendre pourquoi notre chef... Attends, ou bien, ça c'est la première option. Non, mais il a tout essayé. Et il voit que ça marche pas, le patron c'est son caractère, il t'utilise comme un esclave. Si c'est comme ça, tu prends un autre patron, il y a d'autres métiers. Et c'est, ça fait peur, et c'est difficile. Comme tu m'as expliqué tout à l'heure, il faut essayer aussi de comprendre. Attends, une seconde. Alors ça c'est la première... Moi j'ai fini l'histoire déjà, il a tout essayé, tout truqué, tout machin, maintenant lui il veut pas s'arranger. Lui il a un problème. Ah top, ça c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas faire autrement, ouais? Maintenant, mais exactement, le chef d'apparat, ça c'est Hachem. Ça veut dire à la fin de la journée, tu sais que c'est Hachem, Hachem va te le donner d'une autre façon. C'est ce que dit l'Agmara. L'Agmara dit, il faut que tu aimes ton métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi maintenant tu restes dans un métier que tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas assez confiance en Hachem qui te donnerait la part d'un ça autrement. Ouais, tu comprends ce concept là? Ça c'est un concept déjà. Maintenant, si maintenant vous n'avez pas tout essayé, alors il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Si c'est des choses qui sont justifiées, que vous pouvez améliorer, que vous mettez, je sais pas, c'est des choses de temps ou de régularité ou je sais pas, des choses qui vous incombent et que vous n'êtes peut-être pas parfait. Alors chacun travaille sur lui-même et il essaie d'avancer. De toute façon, c'est ça quand on est employé. Mais si la personne, et ça arrive souvent que des patrons, ils sont complètement à l'ouest parce que c'est eux les patrons, alors ils te traitent comme n'importe quoi, il y a d'autres patrons dans la vie. De toute façon, le patron, c'est HM, exactement. J'aime beaucoup la phrase. Le patron, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc à la fin de la journée, tu l'auras ta part dans ça. Bien sûr que le Tzera va te faire croire que tu as fait le mauvais choix et pendant plusieurs mois, ça va être difficile, etc. Mais à la fin de la journée, tout le monde s'en sort. À la fin de la journée, c'est pas le plus important, c'est pas encore une fois le résultat. Venez, on regarde dans les mots de Rabbi Noakana, parce que c'est le sujet du shiurim du dimanche soir. Aval, sache. De toute façon, ça rentre, tu vois. On a dit. Sache que, justement, pour atteindre ce qu'on vient de dire, Aval, les Agia, les Prinat, Shefa et Loki, pour recevoir cette. Exactement, voilà. On l'a même pas lu, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Ça, c'est Rabbi Noakana, ça, j'adore. Alors là, on lui dit. Pour arriver à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire de recevoir la bonté divine et tout ce qu'il est censé nous avoir, Yefchar, c'est pas possible à Volazé de recevoir la bonté divine et tout ce qu'il veut nous donner, et là, chez Kadesh, seulement s'il arrive à sanctifier, Piv, sa bouche, Chotno, son nez, c'est aussi la crainte du ciel. Le nez, c'est la crainte. Dans la Torah, on dit que la crainte du ciel. C'est quand on se moque. Oui, exactement. C'est un nez, et aussi quand Mashiach va venir, il va sentir les gens. Il va sentir leur crainte. Chotno, ouais. Exactement. Chotno. Ve Aenav, ses yeux. Ve Oznav, ses oreilles. Voilà, on a dit. Tu te protèges de ça. Tu reçois le Shefa Eloki. Sans travail. C'est ça le travail. Avec le masque, ouais. Ouais. IFSH. Alors, si tu arrives à faire ça, c'est pas. Ve Hen, me Irin. Et pourquoi il rapporte ça dans cet enseignement-là? Parce qu'on a dit que. On avait parlé de Béalotecha la semaine dernière, qui était la paracha d'Afka de ça. Que c'était la menorah. Et la menorah, elle a 7 branches, de la même façon qu'il y a 7 portes d'entrée du Yetzer Hara dans ton visage. 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, 1 bouche. Ouais. Ou tu les sanctifies et tu gardes ton Shefa que Hachem il veut te donner. Hachem il veut que ça te donner. Ça c'est une taout complète de dire que Hachem il veut te punir, il veut pas te donner. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hachem il veut te donner. Il veut te donner le Shefa qui existe, le meilleur qui existe au monde. Alors maintenant il te donne pas. Soit parce que c'est ton tikkun et bon, il y a des choses à réparer, tu as fait d'autres choses dans la vie dans d'autres vies qu'il faut réparer, ça aussi c'est bien. Soit maman, je suis en train toi-même dans cette vie-là de te tuer. Comment? Tu gardes pas tes yeux, tu gardes pas tes oreilles, tu gardes pas ta bouche, tu pars du lachonara, tu fais du mossi shemra. Comment? Non, mais ça, c'est gorem la neshama de l'homme, c'est gorem la parnassa de l'homme, c'est gorem le shefa de l'homme. Après, un homme il se demande comment ça se fait que le Zohar il dit, tu vois des femmes. Tu vois des femmes dans la rue, tu regardes maintenant, tu baisses pas les yeux, tu regardes, tu rentres chez toi. Ta femme, elle t'a pas vu regarder. Elle s'énerve contre toi parce qu'il y a quelque chose qu'elle aime pas chez toi. T'as rien fait maintenant, tu sais même pas pourquoi. Maintenant, c'est un autre truc. Pourquoi t'as pas rangé ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Qui n'a rien à voir. Mais elle le fait parce que sa neshama, elle a senti que toi, t'as vu quelqu'un d'autre. T'imagines à quel point ça va? Mais toi, tu dis non, et tu fais pas les liens entre les trucs. Toi, tu es le bœuf là, il avance tout seul, il sait même pas où il va. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Voilà, le secret, il est là. Le secret, fais attention à tes portes. On ne peut pas faire 100%, personne. Et même, des fois, Hachem, tu ne savais jamais remarqué. Tu repasses quelque part, et d'Afka, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a levé la tête. Ça, tu ne payes pas pour ça. Sachez, le Rabbeinu, il dit, tu ne payes pas pour ça.
Par contre, si tu baisses pas les yeux, ou bien au pire, tu relèves la tête une fois que tu as baissé les yeux, ça oui, tu payes. Mais si le CRA il vient, il te montre la chose, tu baisses la tête, tu avances. S'il fallait que tu fasses le tikkun de la chose, quand tu baisses la tête, tu fais le tikkun de la chose. Ça c'est pour les yeux, mais les oreilles la même chose. Quelqu'un il part du lachonara, tu dis écoute, moi je parle pas, je veux pas entendre ça. C'est pas pour moi. Va lui dire à la personne, dis-lui, va lui dire. Tu penses ce que tu dis, va lui dire directement. Pourquoi tu me le dis à moi? Bon, la personne elle va pas trop t'aimer, mais c'est pas grave. Au moins toi avec Akadosh Baruch Hu, tu es clair. Et tu vas voir qu'elle va te respecter. Elle sera, plus jamais elle reparlera devant toi. Mais pourquoi tu le dis pas? Parce que toi aussi ça te fait plaisir un peu d'entendre. Et c'est pour ça que tu payes. Parce que toi aussi t'es dans l'histoire, t'as l'impression d'être quelqu'un d'important, on te parle, on te raconte des histoires. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ah non mais dis quoi, moi c'est pas pour moi ça. Excuse-moi, j'ai des comptes à rendre. Je m'excuse, je suis sûr que tu dis même pas mal ou que tu penses pas mal. Mais moi ça m'intéresse pas. À part si c'est les tsorer. Hein, les toilettes, exactement, les toilettes, que tu vas faire un business avec quelqu'un, tu dis écoute, moi j'ai fait le business avec lui, il m'a planté. Et tu vas prêter de l'argent à quelqu'un, tu dis écoute, il ne les a pas rendus déjà. C'est, tu fais une mise là, le gars il va se faire planter, tu lui dis. Ok, mais si c'est une tao, tu sais pas exactement, est-ce qu'il fait ça avec tout le monde, peut-être c'était juste une fois et que c'est pas arrivé, alors tu te tais. Ok, les gens ils savent même pas, ils parlent. La plupart des gens ils savent pas avec qui ils parlent. Bon, Hachem, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec ce virus, etc., ils ont pris un peu conscience. Mais il y a du SRA et ça reprendra. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on entend, à ce qu'on parle. Et ça c'est ça qui te protège. C'est ça tes portes d'entrée de ta Neshama. C'est ça qui protège et ta Bracha, et ta Neshama, et tes enfants, et les enfants de tes enfants. Même pas tes enfants. Les enfants de tes enfants. Moi, je me rappelle un homme. Maintenant, moi, j'ai reconnu mon grand-père. Il s'appelait Avraham Bafrechak, et on est Shmato. Que mon grand-père et plusieurs gens ils l'ont connu. Bon, moi je ne l'ai pas beaucoup connu parce que j'étais très jeune quand il est parti. Mais je l'ai connu comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un il me parle, il me dit ton grand-père, à chaque fois qu'on parlait du Lashon Hara devant lui, il disait sors d'ici. Je ne veux pas t'entendre. Maintenant c'est resté. Et la personne, elle m'apprécie, moi, son petit-fils, que je ne connais pas ce gars-là. Ah, tu es le petit-fils d'un tel. Juste parce que. Voilà, ça c'est des choses qui restent. C'est des choses de vérité. Et ça tu veux pour tes enfants et tes petits-enfants. C'est ça la paye que tu lui laisses vraiment. C'est ça l'héritage que tu laisses à tes enfants. Tu crois quoi? L'héritage de l'argent, ce que tu as travaillé soi-disant pour. Ils vont se battre pour, c'est tout. Si tu l'as mal attrapé, si tu l'as mal reçu, si c'est pas derrière, ça va les gorem, ça va les abîmer ton argent. Ils vont se battre, ils vont se disputer, ils se reparleront plus à cause de l'argent. Que soi-disant toi tu as travaillé pour eux. Mais si tu leur laisses mamash des choses de vérité, que tu as fait attention à tes yeux, tu as fait attention à ta bouche, tu as fait attention à truc, alors là, il n'y a pas. C'est pour ça que moi je l'ai dit tous les jours à ma femme. Je dis, il n'y a pas plus important que ton nom. Ça n'existe pas. Il n'y a pas plus important que ton nom. Surtout quand tu rentres dans les business, tu rentres dans l'argent, tu rentres dans les trucs. Il n'y a pas. Chez moi, ma mère, il a dit, Yoter Tomi Shemen. Shemen, c'est aussi l'huile, ça veut dire, c'est ce qu'on donnait au Bétamigdash. Comme, excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. Dans Bétamigdash. Au Beth Amikdash en offrande. Quand on faisait des offrandes à l'époque, il y a 30, 40 ans, 50 ans, on amenait de l'eau à la synagogue, de l'huile à la synagogue pour allumer les bougies. C'est-à-dire, plus que ça, il y a ton nom. Shem Tov, que tu as un bon nom, que tu n'as pas roulé personne, tu n'as pas truqué. Des fois, ça peut arriver des problèmes. Mais au moins, tu as essayé d'être clair avec lui, tu as essayé de faire le shalom. Maintenant, il y a des gens qui sont fous dans la vie. Bah, tu sais, tu pries Hachem qui les éloigne de toi et qui ne les fasse pas rencontrer. Mais quand tu es bon, sinon. De toute façon, les gens bien, ils attirent les gens bien. C'est comme ça que ça marche. Et si, bon, s'il y a, alors il faut se remettre en question un petit peu. Mais à la fin de la journée, regarde, il te donne le secret Rabbeinu. Il te dit, tu veux le flux divin, tu veux le Shefa Eloki, tu veux recevoir la bracha, tu veux pas avoir beaucoup à travailler pour la recevoir. Tu sais ce que tu fais, travaille sur les choses qui ont de l'importance. Travaille sur tes yeux, tes oreilles, ta bouche et tes sept portes d'entrée. Haïnu, c'est-à-dire. Première chose, tu mens pas. Tu mens pas. Même si c'est quelque chose que tu penses que la personne ne va pas accepter, tu mens pas. Si ce n'est, encore une fois, si ce n'est, comme je vous ai dit, quand la personne elle est coléreuse, alors tu vas rentrer dans son sens. Maintenant, tu ne penses pas ce que tu dis vraiment, tu ne penses pas qu'elle a raison. Tu penses peut-être même qu'elle a tort. Mais pour l'instant, tu essaies de faire le shalom. Rabbeinu il dit dans Sefer Amidot, tu n'as pas le droit de mentir. Si ce n'est, tu peux changer la vérité, pas mentir. Tu peux changer la vérité pour le shalom. Ça, tu as le droit. Alors, mentir, c'est par exemple,
Ça c'est du café. Alors je te dis ça c'est du thé. Donc, tu vends un produit. Tu dis ça c'est du café. Non, ça c'est du thé. Ça c'est du mensonge. Changer la vérité, c'est dans ça il y a du sucre. Il y a aussi du sucre, mais aussi du café. Il y a aussi du truc. C'est changer la vérité. Oui, tu changes, parce que la vraie vérité, c'est que c'est un café avec du sucre. Toi, t'as juste dit, tu as dit une partie de la vérité, tu la changes un peu. Tu n'as pas dit toute la vérité. Tu as édulcoré. Pourquoi? Parce que si il entend la vérité, la personne, si ta femme, tu lui dis vraiment ce que tu penses, ouais, tu dors dans le canapé pendant 3 mois. Ouais. En réalité, tu ne dis pas de mensonge. Ok, alors il faut faire très attention, à, même avec ça. Même avec ça, alors pour le shalom, Rabbeinu, il dit, c'est pas celui que j'entends le Rabbeinu, on apprend ça d'Aaron Cohen. Aaron Cohen, il allait chez l'un, il lui dit, tu sais l'autre, il est venu me voir. Il n'est pas venu le voir. Ou il est venu voir pour autre chose. Il dit, tu sais, j'ai rencontré l'autre, et il m'a dit que vraiment, il regrette, et machin, et truc. Il va aller voir l'autre, et il regrette. Hein, il est, et après ça, ils se sont rencontrés, ils étaient contents, et tout allait bien. Pas pour le shalom, on n'a pas. Pas pour le shalom. Non. Pas pour le shalom, on n'a pas. C'est la seule voie. Non, pour la barna, c'est encore pire. Dafka, sachez-le, le Etzerara, comment il fait, comment ça marche? Je vous dis, hein, et ça travaille tous les jours. Le Etzerara, il te fait croire, Rabbeinu, il a dit, le Etzerara, c'est comme un homme qui a les mains fermées. Et il dit à tout le monde, hein? Maître d'illusion, ouais. Il dit à tout le monde, j'ai des diamants. Et ça commence à se savoir qu'il a des diamants dans les mains. Et tout le monde lui court après. Et à la fin, il ouvre, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire que le gars... Le Letzara, il te fait croire qu'en empruntant cette voie-là, tu gagnes des millions et tu les gagnes, tu les vois rentrer. Mais à la fin de la journée, il te reste rien. Et surtout, tu n'as pas de bracha. Tu as divorce, machin, truc, c'est la fin. Alors bien sûr qu'il n'y en a pas, pas tout le monde qui vole, Baruch HaShem. Il n'y en a pas tout le monde qui... Il y en a qui font un peu et un peu. Alors sur le un peu, ils sont punis. Sur le moins un peu, ils donnent à Tzedaka. Personne n'est totalement mauvais ou totalement bon. Mais à la fin de la journée... Il dit Rabbeinu Akadosh, Aïnou Shishmor et Atmo Milotsimi Sheker. Première chose, Vielo Yirat Shamaim, qu'il est de la crainte du ciel. Ça, c'est là. Tu vois quoi? Que à chaque ouverture, alors si vous voyez, on a commencé par Piv, tout de suite après, il dit Sheker. Donc la première chose, c'est éloigne-toi du Sheker. Chotmo, comme je vous ai dit, le nez, Chotmo, Yirat Shamaim, la crainte du ciel. Bechinat Chotem, Bechinat Varicho Beirat Shamaim, qu'il a la crainte du ciel. Vielo Emunat Rachamim. Maintenant, Enav, c'est Emunat Chachamim, c'est la foi dans les sages. Hataloui Beudnin, qui dépend des oreilles. Vous voyez? Bifrinat Shema Divrei Chachamim. Parce que, pourquoi on sait que ça dépend des oreilles? C'est parce que, comment on a de la Emunat Chachamim, on écoute leurs paroles avec nos oreilles. Ve'yaratim Enav Merod Bera. Et qu'il arrête, qu'il empêche ses yeux de voir le mal. Ça, c'est très très bon. Comment tu fais alors il a dit premièrement tu fais attention. Il te dit comment tu fais attention? La bouche, tu sors pas du shaker. Le nez, ça veut dire que tu fais attention. Comment tu fais attention? Quoi, tu sens rien, tu sens pas les mauvaises odeurs? Non, tu fais attention d'avoir de l'Yirat Shamayim. Ça veut dire quand tu fais des choses, tu sais qu'il y a Hachem en dos. Fais attention. Tu es seul, tu es pas seul. Il y a Hachem en haut. Tu es mieux de mettre les choses claires depuis le début. Peut-être le gars, il va pas faire affaire avec toi. Mais au moins c'est clair. Tu as dit les vérités. Maintenant, il ira chez quelqu'un d'autre. Et de toute façon. C'est pas ta parnassa, c'est pas ta parnassa. Mais à la fin de la journée, voilà, ça c'est la vérité. En tout cas, ta vérité, ce que tu peux comprendre, des fois tu te trompes. Mais toi, avec toi-même, c'est ce que tu aurais dit. Et c'est béhémet ce que tu penses. À la fin de la journée, ce qui arrive, il arrive. Mais au moins, toi, tu as été clair. Ensuite de ça, Veyelo Emunat Rachamim. Qu'on a dit de la foi dans les sages, c'est quoi? Qu'ils écoutent leurs paroles. Tu as lu aujourd'hui, tu nous me disais, hier, on avait une brief mina Baruch Hashem à la synagogue. Le soir. Le soir, on a fait mincha. Maintenant, mincha, on fait normalement tzit katecha. Mais macholoket, tzit katecha, oui, on fait ou on fait pas? Rav Ovadia, il dit on fait. Les chachmé morocco, ils disent on fait pas tzit katecha parce qu'il y a une brit mila dans la synagogue. Bon, ici, on suit le même à tête va, on suit Rav Ovadia, donc on a fait. Tiens, écoute, et dis pas chachamim. Quand tu étudies, c'est pour écouter leurs paroles. C'est pas juste pour dire j'ai étudié. À quoi ça te sert à la fin de la journée? Si tu sais maintenant quoi faire et tu le fais pas. Ça s'appelle Emunat Chachamim, c'est faire attention à ses oreilles. Et Taloui, parce que tu écoutes les paroles des sages. Et on a dit, Elia Enav, ça c'est très très beau. Moi j'aurais dit, ne regarde pas les femmes, ne regarde pas ceci. Mais alors là, qu'est-ce qu'on dit pour la femme? Ne regarde pas les hommes, elles n'ont pas les mêmes tavotes que les hommes. Alors, c'est quoi? Non, ne regarde pas le mal. Comment c'est beau? Ne regarde pas le mal. Il existe le mal, il est devant toi. Ton fils il a fait un truc, ne le regarde pas tout de suite. Regarde le bien qui est en lui, c'est un bon garçon.
Après ça, il a fait du mal au truc. Ta femme, elle a fait quelque chose, ne regarde pas le mal. Lui, il a fait un truc, ne regarde pas le mal. Toi-même, il m'a dit tout à l'heure, ah, regarde, on a l'impression toujours qu'on n'est jamais assez bon. Ne regarde pas le mal. Le seul moment où Rabbeinu dit tu as le droit de regarder le mal, c'est quand tu es ragoua, ta journée est terminée, tu n'as rien dans les mains, ni téléphone, ni rien, tu vas vers HM, tu dis voilà. Mais on fait des comptes maintenant. David avait comme Shalom, il voulait pas voir. Il voulait pas. Shalom, il a poursuivi, c'est pas grave. Merci HM que c'est lui. Ouais, merci que c'est lui. Et David Ameller, c'était le l'anekuda tova, c'est David Ameller. Il cherchait toujours. Et Rabbeinu, c'est la même chose. Ne regarde pas le mal. Il y a du mal. Ça existe, c'est pas grave. Ne regarde pas. Et ça, c'est le tikkun des yeux. Quelqu'un, il fait ça, je vous garantis, il a la bracha dans sa vie. Je sais pas combien il aura dans son compte en banque, ça dépend de son tikkun, ce que tu veux. Mais la bracha, il l'aura. Les gens, ils vont l'aimer. Il aura du shalom. Les gens, ils vont le respecter. Ses enfants, ils vont le respecter. Sa femme, elle va l'admirer. C'est obligé. Il n'y a pas d'autre recette. Vous avez la recette de la réussite de la vie. Je ne sais pas combien il y aura dans le compte en banque, mais la recette de la réussite de la vie, elle est là. Qui hen amoherim et shefa eloki anal. Parce que tout cela, c'est eux qui suscitent, qui attirent le bien que Hachem veut te donner. Qui ape vers chotem, vers aenaim, vers oznaim, plurim bamoar. Et tout ça, ça dépend de ta tête. Ouais, vous savez que les yeux, ils ont des nerfs orbiculaires qui remontent au cerveau. La bouche, elle a les nerfs gustatifs qui remontent au cerveau. L'être et l'odorat, la même chose. Tous les nerfs, ça remonte au cerveau. Donc tout, ça dépend de ton cerveau. Vehen me'oherin et amor shiye befrinat kedem, befrinat panim. Et le fait maintenant que toi, tu utilises tous tes sens pour le bien, comme on a expliqué. Alors ça éveille ce qu'on appelle le avant. Le avant quoi? Le avant la faute. Quand Adam Rishon avant de fauter. Ça veut dire que Hachem, il est avant la faute, il est panim kepanim. Ça veut dire il est en face de toi. Comme les chérubins, au moment où Hachem, il nous aimait bien, quand on ne faisait pas de faute, il y avait... Ça veut dire Hachem, ça veut dire quoi? Ça va mourir Hachem dans ta vie. Hachem, tu vas le sentir dans ta vie. Il va te donner de la tzlacha. Tu vas chercher un truc, tu vas trouver. Tu vas pas attendre pour un parking. Des trucs bêtes! Tu vas chercher, tu vas arriver, le gars il sort, tu t'en... Ah merci Hachem, waouh. Pourquoi? Bah, tu fais attention. Alors moi aussi je te donne. C'est ça, c'est du shefa. Que les choses elles sont faciles. Tu rencontres des gens qui veulent pas t'avoir, qui veulent pas excusez-moi du terme, qui veulent pas te truquer derrière, par derrière. Ça s'appelle la bracha. C'est combien ça? C'est gorem de perdre ton temps et lui t'as essayé, il t'a vu, l'autre il t'a fait ça. Combien Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je t'ai fait? Des fois tu dis qu'est-ce que je t'ai fait? Mais regarde ce que tu as fait. Regarde tes yeux, regarde tes oreilles, regarde ton truc et tu vas voir. Alors tous on a un peu de ça, on n'est pas parfait personne. Mais on travaille sur nous, c'est Shiurim, c'est pour nous motiver à travailler. Demain, on fait plus attention à nos yeux. On fait attention à ce qu'on dit dans notre bouche. On fait attention d'écouter Khamim, quand on étudie, comme il dit le Ramban à son fils, dans sa lettre, dans son testament qu'il a écrit dans sa lettre. Chaque chose que tu étudies, trouve quelque chose que tu peux prendre avec toi pour appliquer tout de suite. Prie pour ça, tu n'y arrives pas, prie pour ça. Et Dafka, comme ça tu peux avancer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout va être beau, tout va être génial. Il y a des problèmes, chacun il doit faire son petit compte dans ce monde. Mais tu limites la casse. Veze bechinat roche devarecha emet. Ze bechinat moar, anemar etzel pe. Reshit rochma irat Hashem. La première chose dans le moar, c'est la irat Hashem. Donc d'abord, ça commence par le nez. Ze bechinat moar, anemar etzel chotem. Qu'on a dit que ça vient du nez. Veze bechinat rochach lechacham. Et c'est écrit que tu réprimanderas le sage et il t'aimera. Ça veut dire Hachem, quand il réprimande quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime. C'est pas parce qu'il veut lui faire du mal. C'est parce qu'il veut le ramener vers lui. C'est parce qu'il veut le corriger. Et c'est aussi un aspect de mort, d'esprit. Anehemar etzel udnin. Befrinat shema divrei chachamim. On a dit que les oreilles, c'est écouter les chachamim. Befrinat vatipakartna aene shenehem. Et aussi dans l'esprit, c'est écrit au niveau des yeux que l'aspect de l'esprit se réfère aussi aux yeux. Comment ça? Zeberinat moach aneimar etzel aenaim. Type karna, que les yeux ils se sont ouverts. On dit que les yeux se sont ouverts. Où ça? Attends, je regarde le commentaire ici. Je n'avais pas lu ça avant. Il dit ici, réprimant les sages, qui nous enseigne que c'est spécifiquement lui qui écoutera les paroles de reproche et de morale. Ceci montre le lien entre l'esprit et les sages et les oreilles. Que quoi? Qu'un homme, il comprend, il écoute, il comprend, et ensuite, il applique. Donc, tout passe par les yeux, le mohar, ça veut dire.
Alors venez, c'est un filtre en fait. Votre esprit, c'est un filtre. Tu reçois une information. On a dit, il faut que tu voyes le bien. Tu reçois une information. Dans l'information, il y a du bien, il y a du pas bien. Peut-être le pas bien, il est énorme. Là. Il est en train d'écrire sur les murs, ton fils. Mais il y a du bien. Je sais pas, il écrit un mot de Torah. Il écrit en hébreu. Je sais pas ce qu'il y a de bien dans l'histoire, mais il écrit. Ouais, des fois, c'est comme ça. Ou bien, il t'a cassé un truc. Mais bon, il est bon avec ses mains. Je sais pas, t'as un truc. Il y a quelque chose de bien. Tu trouves quelque chose de bien. C'est un travail énorme. Mais le travail, il est fait par le mort. C'est-à-dire qu'il y a une réception de l'information qui vient par les sens. Et il y a un traitement de l'information qui se fait par l'esprit. Donc, quand ton esprit, il est metaken, il est réparé, il est propre, alors tu traites l'information comme il faut. Ok ? On a dit pour la bouche que quelqu'un, il doit pas sortir des paroles de mensonge. Pourquoi ? Parce que ça vient de son esprit. Ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. C'est ton esprit qui te dit qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Tu peux te tromper. D'après, tu peux croire quelque chose est faux alors qu'il est vrai, ou inversement. Mais au moins, vis-à-vis de ce que toi, tu penses, tu es toho kebaro. C'est un travail de fou. Mais maître, surtout quand tu es dans les business, ça, c'est un travail de fou. Mais c'est un travail qu'il faut se faire. Et quelqu'un, il travaille ça, mais ça y est, il a gagné son olam haba. Il gagne son olam hazé, mais il a surtout gagné son olam haba. Quelqu'un qui est comme ça, c'est un malade sadique. Arrête, qu'est-ce que tu veux de plus ? La personne, elle dit pas de mensonge. La personne, elle voit le bien chez tout le monde et chez lui-même. La personne, elle écoute les paroles des chachamim. La personne, qu'est-ce qui reste ? Et la bouche, le... Hein, elle fait attention, elle voit le bien. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus ? Ça s'appelle un tzadik. Donc là, encore une fois, en quoi ça rattache à ce qu'on a vu avant ? C'est pas le résultat. Hachem, il crée les événements, il te motive par le résultat, mais en vérité, ce qu'il veut, c'est le travail sur le chemin. Et la dernière fois, on n'avait pas défini c'est quoi le travail. Aujourd'hui, ce soir, on a fini là, le Perek Bet. C'est le travail, c'est ce travail-là, le travail sur les sept sens. Voilà. Comment tu réagis, pas seulement comment tu réagis, mais comment tu utilises les portes d'entrée avec l'extérieur, avec ta corrélation avec ce qui t'entoure, comment tu l'utilises et comment tu le traites, comment tu traites l'information. Bien ou pas bien. Et ça c'est le travail que toi tu dois faire. Et un homme, s'il arrive à faire ça, il a tout gagné. C'est un travail, c'est ça le vrai travail. C'est ça le travail de ce monde. Et alors le gars il dit, attends, mais tu comprends pas, j'ai une parnassa, j'ai machin, j'ai truc, je suis obligé. Il n'y a pas d'obligé. C'est que du etzara, c'est du flou. Je suis obligé de ne pas dire la vérité, sinon il va pas. Fais un autre métier, mon grand. Il n'y a pas de je suis obligé. Ça n'existe pas, je suis obligé. Combien tu dois payer pour dire la vérité ? Ça, c'est une autre histoire. Ça a un coût. Le olam haba, il a un coût. Ça a un prix. Ton éternité, elle a un prix. Comme ton honneur, il a un prix, comme ton nom, il a un prix. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que ton petit-fils Bezrat Hashem, on dise « Ah, ton grand-père, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Tu sais même pas, il m'a aidé, il m'a truqué, il m'a machin. » Ou tu veux dire, le petit-fils, on le connaît même pas. « Ah, c'est le petit-fils de tel ?» On s'éloigne de lui. On le connaît même pas, le petit-fils, le pauvre. Qu'est-ce que tu veux ? Tu crois quoi ? Nous, on reçoit de qui ? Des grands-parents, c'est eux qui ont travaillé pour nous. Si tu vois moi, comment j'étais heureux quand on me disait ça sur mon grand-père, mais je connais pas, même pas, je l'ai rencontré quelques fois dans ma vie. Mais j'ai entendu des bonnes choses. C'était le premier à la synagogue, c'était le premier à truquer. Il ne parlait pas pendant la prière. T'imagines des choses comme ça ? Ça reste, c'est un respect. Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants, Ribbono Shel Olam ? Et même pas à toi-même. Mais tes enfants, c'est que l'expression de ta réalité dans le ciel. Tu comprends ? C'est que l'expression de ce qui se passe vraiment en haut. Parce que le grand-père est déjà parti. Mais lui, il reçoit les fruits des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, etc. Et ça, Béhémeth, c'est comme ça que ça marche. Et ça prend de l'émouna, et ça prend de se convaincre, et ça prend de se travailler, et ça prend de répéter les choses. Ce chiour-là, je pense qu'on l'avait déjà fait déjà il y a un an ou deux. Mais il faut répéter et répéter, parce qu'on oublie. On oublie qu'est-ce qu'il veut. Parce que dès que tu vas sortir de cette porte, ah, lui va t'appeler, l'autre, machin, comment je vais faire? Et j'ai telle facture, j'ai tel machin. Et ça y est, c'est la fin du monde. Comment on fait? Comment on fait? Alors il faut étudier et se renforcer, et dire que c'est pas ça la vérité, que la vérité elle est dans les livres, et que c'est Chachamim qui ont raison, et que eux, ça, ils vont être très très loin. Ils savent ce qui a de la valeur, il faut se travailler, il faut être prêt à sacrifier. Le Khafetz Chaim, il avait une cagnotte pour le shalom. Il avait une cagnotte dans ça, il avait une bourse comme ça, pour le shalom. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas content, alors il dit ok, c'est pas grave, tiens, voilà, on s'arrange. C'est pas grave. Et lui, il a été en raison, mais c'est pas grave, on s'arrange. Je préfère que tu sois content et que tout aille bien. Tout pour le shalom. Qu'il ait un bon nom, que tout aille bien.
Alors, à plus forte raison avec ta famille, à plus forte raison avec tes enfants, à plus forte raison avec tout ça. Chazak ou Baruch. Yeah.